Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 en multi. Nous sommes toujours avec Tiberians. Bonsoir Tiberians. Bonsoir tout le monde. Et Damned. Bonsoir Damned. Hello. Et d'abord on vous remercie pour l'accueil de cette série. Vous pourriez a priori vous kiffer, donc c'est cool. Si vous voulez du Triskel, je vous invite à passer sur ma chaîne. C'est gratuit, ouais, ça me fait plaisir. Et du coup, quelle était la situation initiale? Moi j'étais toujours en train d'attendre une opportunité de mon côté, mais toi surtout Tiberians, tu grossissais tranquillement. Ouais, j'ai pas mal blobé, il va falloir que, qu'avec l'Écosse on termine le boulot, mais il n'y aura pas de problème particulier. Là on est un petit peu inquiet quant à la situation de la Bretagne qui doit grandir parce que la France, elle, est une vraie menace. Donc on attendait en fait une guerre possible contre l'Angleterre, avec nous trois, ou une guerre possible contre la Provence, si la France met trop de temps à galérer contre la Bourgogne, il y aura peut-être des opportunités pour la Bretagne de grandir. On espère la voir grandir dans cet épisode, parce qu'après ça va être tendu. Là actuellement, la France n'arrive pas à gagner contre la Bourgogne, alors, je ne sais pas ce qu'ils foutent, mais le fait est qu'ils en chient, et du coup, petit à petit, ils ont moins envie de rejoindre une guerre pour défendre l'Anjou. Donc, ouais. Moins 30 de lassitude de guerre déjà, ça se comprend. Ça peut être cool. Ça peut complètement. Bon, allez, c'est reparti. Cool. Eh bien, écoute, quand tu veux, t'as la main. J'ai la main. Attendant, je m'entraîne. Hein. Normalement, c'est toi qui as la main. Ouais. Moi, j'avais pas l'argent pour m'entraîner, alors je le fais pas. Hop. Ouais, les guerres, ça coûte un moment. Hein. Ouais, et puis j'ai perdu ma flotte, mais ça, vous le savez que je perds. De toute façon, à chaque guerre, je perds ma flotte. Sur cette chaîne, c'est une habitude. grand classique. Je sais même pas pourquoi les gens s'étonnent encore que je perde ma flotte. Y'a aucune partie où t'arrives à bien gérer ta flotte? En fait, je fais surtout que des vaisseaux de commerce parce que j'aime bien le pognon. Et coup, à chaque fois, ils se font défoncer. Ouais. Ah oui, forcément. C'est un peu triste, mais c'est ainsi. Donc là, j'ai 5 bateaux. C'est con, j'en avais genre 17. Mmh. L'héritier est malade, mais il est comment l'héritier? Oh, c'est un 2-3-2. Où est l'île de France? Ah, l'île de France est là. Oh. Faudrait que les rebelles français ils aillent occuper l'île de France, ce serait complètement le bon plan. Eh il est mort. Bon. Et puis, d'accord, donc il est remplacé par un 2-1-2, bien, très très bien. Ah oui, ça fait plaisir. Il est encore plus nul qu'avant, et en plus j'ai payé pour essayer de lui payer un médecin, putain. Salut. Ah, pause, oui, la France ne rejoindrait pas une guerre contre l'Anjou. Qui? La France ne rejoindrait pas, on pourrait attaquer l'Anjou et la France ne rejoindrait pas. Non, voilà qui est intéressant. Alors, il a aucun autre allié, la Lorraine viendrait, mais c'est son vassal. Attendez, est-ce que tu es parti en guerre déjà là? Ah non, j'ai pas lancé encore. Qu'est-ce que j'ai branlé? Qu'est-ce que t'as fait? Justement, je ne sais pas. Pourquoi t'es en guerre? Hein? Non, je suis pas en guerre, non, mais j'ai créé un état, alors je sais pas. Ah bon? Bon tant pis. Oh ça va être rentable. C'est l'Irlande. Ouais ça. Mais pas en points. Ah oui, non, pas en point, ouais. C'est pas grave, je vais faire comme si je n'avais pas fait de merde. Écoute, sur ma chaîne, on l'a pas vu, donc disons que ça n'existe pas. Ok, ouais, là, de toute façon, t'inquiète pas, les gens l'auront vu. écoute, moi, je propose d'aller bouffer l'Anjou, si vous êtes chaud. Ouais, une sec. J'arrive. T'auras besoin d'aide, De toute façon, moi, je suis 11 000. Combien c'est l'Anjou? Parce que bon, l'un dans l'autre, il doit douiller un peu, là, non? Ah, faut faire gaffe quand même, hein. Il y a la Lorraine avec lui, hein, donc faut pas... C'est pas tant la Lorraine le problème, c'est que faut quand même faire attention. Et puis, il va falloir pouvoir passer par chez le français. Non, mais je suis en train de chercher Anjou dans le registre, oui, c'est Provence. Non, c'est Provence. Et par contre, fais gaffe, ils sont à 53% de victoire quand même, hein. Faudrait pas qu'ils déclarent la paix et qu'ils se disent, finalement... Faut que je le fasse maintenant, là, hein. Ouais, ils ont 11 000 hommes, la Provence, donc je peux pas me les faire tout seul. Et imaginons. Je peux déjà aller me poser sur l'Anjou, et puis... De toute façon, ce que tu fais, c'est que tu lances déjà... comment? Enfin, tu payes tes soldats, parce que là, le moral est pas là, quand même. Ouais, c'est en train. Ils s'entraînaient, donc ils sont costauds, quand même. Ok, moi je peux pas trop participer pour l'instant parce que financièrement je suis un peu juste, mais j'ai des bateaux. T'as moyen Ouais, je vais t'envoyer des troupes. J'ai des rébellions qui sont en attente, mais ça devrait. Tu m'envoies, je sais pas, 5 000 hommes, ça suffira. J'ai 8 bateaux de transport, donc ce sera 8 000 hommes.
Et c'est déjà bah, bien. Go. Bah carrément, j'enlève la pause. Vas-y, je prépare ça. Et nous, on est un peu juste, donc je peux envoyer certains bateaux. Par contre. Ah ouais, un désastre. What the fuck? Pourquoi? Je te propose, Victor, qu'on se demande le mouillage mutuellement. Mais tu m'as pas appelé à la guerre? Pour l'instant, j'ai pas lancé la guerre encore. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai, ouais, je suis pas obligé de te faire ça. Demander le mouillage, je crois que ça prend de la thune, hein. Ouais, mais si on se le fait tous les deux, normalement... Ça fait une opération nulle, du coup. Ça annule, ouais, ça fait une opération nulle. Merci, Gilead, dédicace. Personnellement, je suis pas certain que ça s'annule. Je pense que ça dépend du nombre de ports de chacun, en fait. Non, c'est deux ou cinq, je sais plus, par mois, quoi qu'il arrive. Okay, t'auras un commentaire de Gilead sur ça. On a testé. C'est très bien, c'est vous qui voyez. Tu gagnes combien, toi, si tu me demandes le mouillage? Puff. Bah, combien ça te coûte plutôt pour voir? C'est pas marqué. Ah bon? À hauteur de 1-2. Ah ouais, c'est plus cher que moi. Si moi, c'est 0,5. Ah bah non, mais c'est un petit fils qui a raison. Donc là, ça n'y gagne pas. Bah, nous, si, c'est 2 à chaque fois. Cela dit, c'est pas grave parce que de toute façon, si t'es dans la guerre avec moi, tu pourras débarquer dans mes ports. Donc... Ouais, bah vas-y, quand tu veux. Moi, j'ai mes bateaux sur la façon. C'est vrai que techniquement, ça change pas grand chose. Non. Allez, c'est parti, l'Anjou, conquête, prendre Anjou, excommunié, non, humiliation de rival, non, Jeanne ne vient pas, mais on s'en fout. J'appelle l'Écosse. Ouais, Jeanne, c'est mon allié. Ah oui. Desmond, du coup, je t'appelle pas, hein, pour l'instant. Bah si, tu peux, parce que des fois que je peux, tu vois. Puis ça peut te permettre de lancer un impôt de guerre aussi, éventuellement. En secours supplémentaire, mais bon. Ouais, profite au moins de l'impôt de guerre, à la limite, effectivement. Bah il est pas gratuit, l'impôt de guerre, vous êtes gentil, vous. Ah bah non, mais bon. Puis en plus, l'impôt de guerre... Enfin, il faut qu'il y ait des troupes à soutenir. Parce que moi, avec mes 7000 hommes, l'impôt de guerre, il me rapporte rien. C'est pas faux. Je m'attache à toi, hein. C'est vrai que si tu payes pas ton armée, l'impôt de guerre, il sert pas à grand-chose. Ouais. Bah c'est ça, quoi. On est un peu... Encore une fois, on est un peu juste. On est où, niveau entraînement, là? Ouais, 8%, ça. Les mecs, ils sont tellement dans le luxe qu'ils entraînent leurs troupes, quoi. Ah bah attends. Hein. Théâtre anatomique. On est là pour faire de l'optimisation ou pas? Ah, les sièges, par contre. 3 de niveau de siège. Bon, bah maintenant que j'ai un diplomate de libre. Oh! Ça va prendre. La Lorraine. Il y a 13 000 hommes juste au-dessus. Attention. Ouais, moi je suis attaché à tes troupes, hein. Je te laisse gérer. Alors attends. Waouh, il nous saute un peu dessus, là. Ils sont tech combien, les gars? Ils sont avec 4 comme moi. Question, c'est ton. Vous savez quoi? Comme je le sens pas. Je vais venir? Non, c'est ça? J'ai payé l'armée, je vais venir. Ah, c'est du bois, ouais. Alors si on se casse, est-ce que c'est jouable? Non, ils viennent. Bon, bah écoute, on les accueille. On est 20 000. C'est ton général qui va prendre le commandement ou on marque sur ça? Bah, c'est le moins as des deux. C'est le moins as des deux, ouais. Ok, très bien. Après, bah go, de toute façon, on va le prendre. Hein. Voilà. Ouais, voilà, donc déjà là, le premier il est fait. Ah, ils sont mis en décalé, c'est moche. Instab, c'est fait. Et bataille d'Anjou, c'est terminé, voilà, magnifique. La grippe, putain! Voilà! Bon, alors ça l'influence, plaisir de... l'influence des clairs là. Casse un gagner peu un couilles. Truc. Si vous me filiez des points, les clairs, tant qu'à avoir plein d'influence là. Voilà, on va prendre une petite tech, tant pis, avec l'institution. Ah là là, je suis quand même à moins 5 même en prenant la tech, quoi. Bordel, je perds quand même de l'innovation. Bah tant pis, c'est la tristesse. Ouais, bah de toute façon, moi aussi, c'est un peu compliqué. Bon, ouais, j'ai pas trop bien compris son move, là, c'était un petit peu nimp, hein, je dois bien avouer. Bah tant mieux. Ouais, peut-être qu'il a tenté d'avoir du bol au dé parce qu'il avait pas d'autre choix, hein, je ne sais pas. C'est vrai que c'est sa capitale, donc ouais, attention, il y a 6 000 hommes qui se pointent. Si tu veux passer en vitesse 2, tu feel free. Hein. Il va aller se poser sur le Nantais. Non, il va se casser. Est-ce que ça vaut le coup de sauter dessus? Bon, faut qu'on finisse ce siège. Là. C'est pas moi qui gère la vitesse. Mais parce que la vitesse 3, ça vous va pas? Si, ça va, c'est pas tendu. De toute façon, faut qu'on finisse ce siège, hein, donc. Ça dépend la connexion du signe. Hey, 35%, mais tout le monde y arrive à faire 35% dernier fois. Ah non, moi je fais régulièrement du 97, hein, y a pas de souci. 97%, la blague. Ah bah, tu regarderas ma série Puissance Africaine, y en a, hein, c'est voilà. Vraiment la douleur. Facile. Allez, maintenant on va directement sur Provence, hein. En avant.
C'est parti. Traverser la France. On a trois missions rebelles. Ouais, attention aux rebelles français qui traînent peut-être. Il y en a un, je les vois moi sur le Narbonnais là. La Savoie, qu'est-ce qu'ils foutent les Savoyards? Mais merde, les Savoyards ils en profitent, les putes. Pour ah, ils sont en train de défoncer la Provence. Ils ont attaqué la Provence aussi, ouais. Ah, il y a des enfoirés qui sont là, Montferrat. Ah, les Sagouins. Ouais, et puis là, ils vont prendre le siège. Ouais, non, ouais, ne les aide pas surtout. Ah, non, faut se casser, on va aller en Franche-Comté. Ouais, faut attendre qu'ils se fassent défoncer. Bon, en attendant, je vais aller piller l'Anjou, moi. Bah vas-y, là. Ils sont en train d'assiéger Barrois, on va assiéger la Franche-Comté, j'ai envie de dire. C'est cadeau. Ils viennent de prendre la Franche-Comté. Ah mais non, mais putain, mais il y a 1000 Milanais sur la Franche-Comté, vous déconnez les gars. Ouais, ouais, mais ils sont partout. Ah la vache, ils sont foutus partout, ouais, les enfoirés. Ouais. Bon bah du coup, on va se tirer. Moi je vais au sud. Qu'est-ce qui se passe ici, 80 000 quoi? Indépendance de Kildare, 8000 hommes. Ouais, enfin, comment dire? Non. Ouais, retourne gérer peut-être ton... C'est où? Bon, on va peut-être se poser sur, à côté de Provence et puis attendre qu'il se fasse jeter là. Putain, avec 4000 hommes, il arrive à assiéger la Provence, sérieux? Ouais, bah du coup, faites gaffe, il est en train de reprendre sa capitale. Exact. Bah du coup, on va faire ça. Ouais. J'ai perdu Brest, ouais, un scandale. Il y a 3000 Lorrains. Mais vous voulez pas aller vous occuper? Ah, il nous a vu venir, il se casse. Va t'occuper de... Voilà. Je vais choper cet enfoiré. Trop tard, t'es mort, enfoiré. Espèce de ville brigand provençal. Tiens. Ah la vache, il fait mal, hein. Eh bah ça change d'une certaine bataille. On est à 32%, c'est pas suffisant pour prendre l'Anjou. Regardez ça. Il y a peu de chance, non. Pause, hein, mais... Ah si, il voudrait bien lâcher, hein. Parce qu'on peut pas lui piquer son blé pendant qu'on y est. Ouais, non, il veut pas. Dommage. L'humilier, ça serait top, hein. L'humilier, ça serait... c'est un rival, donc... Ouais, mais c'est... Attends, prendre la capitale plus humiliation dans ces conditions... Très compliqué. Bah, là... On pourrait prendre un petit peu plus. On peut prendre la capitale et des repas de guerre, ça passe, ça. Bah, c'est bien, ça. Enfin, pour toi. Attends, je regarde si on peut pas taxer un petit peu de blé. Alors, on peut taxer un petit peu de blé, mais vraiment un tout petit peu. Oui, de toute façon, j'ai participé à rien, j'en aurais pas. Ouais, ça se répartit moite-moite à peu près. Ouais, bah écoute, pas besoin d'aller plus loin, hein, je suis assez d'accord, on va laisser se démerder avec la Savoie. Allez, c'est parti, on fait ça. Parfait. Ouh, on a grossi les gens. Oui, j'ai gagné 2 pièces. Tu vas pouvoir rembourser tes emprunts. C'est tellement épique. Bon, alors par contre, j'ai des graves problèmes de rébellion. Demi-tour, les gars, vous faites quoi? Où est mon armée, moi? Je sais pas, mais si elle pouvait se pointer vers chez moi, ce serait un grand plaisir. Je vais me taper 16 000 hommes de rebelles, ça va piquer, quoi. Bon, j'ai pas les points pour légitimer, hein. Une fois n'est pas coutume, on fait ça à l'arrache. Ah ouais, puis alors, va falloir que t'attendes, parce que le temps que je remonte dans les bateaux, du coup, mes bateaux sont dégagés. Oui, mais c'est pas tout de suite, mais ça va péter. Ouais, je t'envoie des troupes, t'inquiète. Ça va péter grave, hein. Non mais tu grossis trop vite aussi. Ouais, je sais. Mais que voulez-vous? Je suis comme ça, moi. Alors, je revendique le PAL. Ah, mariage royal avec la France interrompue. Ouais, ah bah ils sont plus excommuniés, alors. Ils sont plus excommuniés. Une alliance France. Non, elle veut pas s'allier, pourquoi? Parce que même presque pas. Un mariage. Ah oui, tiens, j'ai pas fait de mariage royal avec eux, moi, merci. Alors attends, je vais faire débarquer mes troupes pendant ce temps-là. Ah, mais je peux pas passer chez toi, Tibbs. Quoi? Je ne peux pas passer chez toi. Pourquoi tu peux pas? Bah, on doit pas avoir l'accès. Mais pourquoi tu voudrais aller chez moi? Bah, pour t'aider pour tes rébellions. Ah, bah oui, bah je te donne l'accès. Faut que je récupère un mec. Pof. Demander l'accès, voilà. Et la France t'aime mieux du coup, le breton? Ouais, du coup j'ai plus... T'as plus le malus de merde là? J'ai plus le malus de merde, j'aimerais bien pouvoir sélectionner putain d'armée qu'elle débarque, bordel. Merci. Normalement je devrais pouvoir me réallier là, voilà. Allez, c'est reparti, allez à la France, ça sera toujours ça. Puis on va envoyer un mec améliorer les relations. J'en fais un état aussi de ce truc parce que...
On a besoin de caillasse. Or, là, la caillasse, elle vient pas trop. C'est un peu triste. Et sans où tes rébellions que j'aille me poser dessus, à la rigueur, non ? Plus ou moins partout. Peu de chances de pas être au bon endroit. Je vois ça, ouais. Effectivement, ça gueule grave, ouais. Voilà. Bah, sous ma gueule, tiens. Mayday. J'arrive. Oula, fou. J'étais pas prêt du tout, moi. Ouais, ça va, c'est géré. Troubadour itinérant, instable. Ouais, j'aime bien l'idée, moi. Bon, la France, tu peux gérer tes rebelles quand même, non, sans déconner, faut arrêter les conneries. Ok, fait. Donc après, c'est l'indépendance du Munster et du Kildare, donc c'est juste à côté. Hein. Est-ce que je peux m'attacher à toi en période de guerre? Oui, je peux m'attacher à toi. Ah putain, un emprunt, merde! J'avais pas vu après une bataille comme ça, c'est complètement normal. 25% d'autonomie en armor, hein, je crois que là... Chie, putain. Ouais, mais je perds 1-6 par mois, c'est juste pas possible, quoi. 1-6 ? Ah ouais, c'est la violence. C'est juste pas possible. Ouais, moi je perds 0,97, c'est pas ouf. Et du coup, la France n'est plus en guerre, qu'est-ce qu'elle a perdu ? Bah la Provence a bien perdu. Bah la Bourgogne a repris des trucs, j'ai l'impression. Ouais. La Savoie a bouffé toute la Provence, ouais. Elle est en guerre contre qui ? Contre les états pontificaux. Ah bah non, donc la France accepterait de rejoindre la guerre en échange de territoire contre l'Angleterre. Maintenant. Ouais, bah du coup on va gérer les rébellions de Tibbs et puis après on verra, je propose. On va les rébellions de Tibbs, elles vont arriver, hein, je pense. Death machin bah, chose, du, là. Du coup je viens pas, hein, je pense qu'à deux vous non. Enfin, je sais pas combien de personnes doivent apparaître, mais... Autonomie, tu sais ce que je vais faire ? Je vais réduire l'autonomie, ou comme ça ils se rouillent. Ah bah tant qu'à faire du blé, ouais, vas-y, hein. Voilà. Ah bah, moi j'ai ces saloperies de Claire là qui gueulent, alors c'est quand qu'ils lâchent de... En allez, 62. En 4 ans. Ouais, ça le fait ou pas ? Ça pète quoi ? Voilà, fallait pas m'emmerder. Crac. 64, ouais, ça devrait le faire. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que lui, il est trop petit pour être un rival. Ah oui, d'ailleurs, comment ça se fait que la Provence peut toujours être un rival ? Je suis pas gros, mais quand même. Je peux prendre un nouveau rival, le Desmond. Ah ouais, c'est super chiant ça, qui te propose des alliés. Moi je peux en avoir qu'un et c'est l'Écosse, bah non. Bah ouais, voilà. Ah ouais, c'est chiant ça. Bon, c'est la France a géré ses rebelles. Bien joué. Hop, on passe à l'arc long de mon côté. Oh, bien joué. J'en suis pas encore là. Moi. Moi non plus. Hein. Est-ce que je peux éventuellement le faire ? Genre, non, j'ai déjà demandé un soutien militaire, donc c'est mort. Ici, je peux demander du blé aux bourgeois. Ouais. Je pourrais m'allier aux Français, mais c'est peut-être une idée de merde, non ? Bah, on est alliés tous les deux aux Français, donc si tu peux, ça fera. Tu rejoindras la coalition. J'ai un cardinal ! Youpi! Bah, c'est pas mal ça. Ouais, mais moi je suis obligé d'apprendre l'Écosse en rival, c'est con. Ouais, ça c'est chiant par contre. Parce que j'ai pas du tout envie de prendre l'Écosse quoi. Bah, c'est oui. Je ouais, comprends, puis, j'espère. Si tu l'apprends pas, ça va foutre la merde quoi. Enfin, bah, là ouais, je suis en train de. Comment ? Je suis en train de perdre à fond. Sinon, prends là, hein. Prends-moi, c'est pas grave. Hein. Enfin, c'est pas grave, c'est chiant. Bah, non, on va perdre l'Alliance et tout. Ah, ouais, question. Par contre, ouais, c'est le problème ça. Juste, y'en a pas question quoi. Ça, c'est le problème. On peut, pas tout avoir, hein. On peut faire une alliance de circonstances entre joueurs, mais techniquement tu pourras pas rejoindre les guerriers. Ah oui, non, c'est pas très intéressant. Puis c'est quand même, voilà, la Ligue Celtique elle doit être liée quoi. Ah oui, c'est vrai. Le jeu ne le comprend pas, hein. Je suis vraiment déçu quoi. La Ligue Celtique quoi, c'est dans le titre pourtant. C'est pourtant dans le titre. Ouais. Que veux-tu ? Ah, je commence à avoir des revendications de l'Angleterre sur mes territoires. Ouais, mais l'anglais, ce serait bien de lui tomber dessus, oui, effectivement, mais les rébellions, je suis à 80% dans le Munster. Vous êtes pas sur le territoire où il est censé y avoir la rébellion ? Non, et pourtant, je suis à 16% d'agitation, donc j'imagine que le truc, il va... Ouais, faut qu'il pète un moment, là. Il faut que j'arrête de payer mes troupes, je suis en train de perdre du blé à fond, là. J'ai le même problème. Ouais, moi, c'est pareil, c'est pour ça que je vous ai pas rejoint, je dis c'est pas la peine, hein, vous êtes partis... Je gagne un peu de sous parce que j'ai deux emprunts là déjà, ça me saoule. Bon, par contre, c'est quoi la force de l'Angleterre ? Parce qu'on dit on va l'attaquer et tout, mais en vrai. Bah, y'a la France qui nous aide, ça devrait aller.
Oui, non, mais d'accord, mais il faut quand même regarder ce qui se passe. Si ce n'est que la France nous aide, mais elle va s'occuper des territoires chez elle. Parce que l'Angleterre, c'est quand même 26 000 hommes. Ouais, ah bah elle est pas. Voilà quoi. 26 000 hommes. Mais quoique l'Écosse est tellement puissante. Ouais, un potentiel de 35 ouais. quand même, hein. Elle a moyen de faire chier. Hein. Et je pourrais avoir plus que ça en troupes, mais j'ai pas les sous pour les maintenir derrière quoi. Ah, mais par contre, quand t'es en guerre contre l'Angleterre, t'en fous de pas avoir les sous. Hein. Tu prends des emprunts, hein. C'est l'Anglais qui remboursera. Hein. C'est oui, ça. C'est sûr. C'est ça. À un moment, faut lâcher tout ce qu'on a quoi. Non, mais faut que mes troupes soient là pour que j'aille me poser le plus vite possible sur les territoires de l'anglais parce que sinon le français va. Non, vous savez quoi, je vais faire des vives répressions implacables parce qu'ils me cassent les noix. Et puis on va partir en guerre, hein, parce que c'est chiant. T'as pas peur que ça pète dans ton dos après? Bah non, parce que je te dis, je vais faire des répressions implacables. Je vais perdre des points, mais de toute façon, comment? Je suis passé tech 5 en technologie militaire, ça va quoi. Ouais, alors c'est ça que je voudrais voir, moi. T'es bien avancé. J'aurais bien aimé être tech 5. Parce que t'en es loin ou pas? Oh, mais ouais. L'institution. Attends, je suis à, il me manque, ouais, il me manque 200, 204. Non, parce que ce qui va se passer, c'est que l'Angleterre va le passer avant toi, on va avoir l'air con. Ouais, faut en profiter maintenant. Ouais, mais elle va finir par le passer. La France est tech 5. La France est tech 5 aussi. Ouais, non, faut y aller avant, parce que si elle passe tech 5 et que nous on est tech 4, on va piquer quoi. Tech 4, ouais. On peut encore s'aligner, mais tech 5, ça va être violent. Il y a des unités en plus. Bon, faut remettre la maintenance de l'armée, faut tout remettre. Par contre, si tu fais ça, le Portugal il vient ou pas? Ah oui, Portugal vient, oui. Ouais. Et Liège aussi. Bon, Liège. Ouais, voilà. Oui, Liège il va pas traverser la France, c'est bon. Ouais, bah la France mais, elle est dans quel état là? C'est comme je vous le dis, hein. Dites-vous bien que la France, si elle joue comme elle joue habituellement, elle va prendre les territoires chez elle. Il y a pas y aura pas de troupes anglaises, et donc elle va pas nous aider à taper chez l'anglais. Hein. Moi, je le sens, je le sens elle comme va ça. Vous serez tout seul contre l'anglais, ça c'est clair. Hein. Ben non, mais normalement, comment? Il y a 19 000 hommes en Écosse, 7 000 de mon côté, il y a 5 000 bretons encore. Moi, je dis que la force du breton, s'il a de la chance avec les bateaux, c'est de pouvoir débarquer quelque part. Bah déjà il faut éclater l'allié du comment de l'anglais. Ouais, ça tu peux t'en occuper, je pense. Ils sont 3000 là. Tyrone, ouais, bien sûr. Ouais, Tyrone. Je vais me placer sur. Je vais sur place déjà. Attends, bah je vais rester attaché à toi la rigueur. Ouais, bah au pire tu peux faire ça comme ça. Je flippe un petit peu du Portugal. Les bateaux. Bah je pense que la France elle va le gérer le Portugal. Le problème du Portugal c'est les bateaux, ça c'est sûr que. Faut que les troupes soient déjà présentes sur le territoire avant. Bah moi je vais laisser 5000 hommes pour vous aider quoi, et puis je vais utiliser les 6000 qui me restent pour faire des sièges, enfin au moins essayer de poser les troupes et puis laisser le français qui fera les sièges. Mais... Ouais, il faut que tu prennes en priorité ce que le français revendique, hein, parce que sinon il va pas te les filer les trucs. Ah ouais, bah il revendique tout, c'est ça le truc. Il a des... c'est un peu ça le problème. Il a des revendications permanentes partout quoi. Prends le Cotentin déjà. Allez. Ouais, bah le Cotentin c'est là que j'ai des revendications. J'enlève la pause hein, pour l'instant. Ouais, bien sûr, parce que voilà. Vous me direz. Je vais rentrer les bateaux parce qu'à mon avis. Ouais, je vais être obligé de faire pareil. Ça va encore partir en couille. Ouais, je vais faire la même chose que toi parce que ça va être. Munster. Ouais, non, la merde, ils sont à 90%, c'est con. Les bateaux, faut arrêter quoi. Et au cas où, je vais même les mettre en Irlande, tu vois. Oh, la France m'influence. Bah, merci français, c'est cool. Fais-moi donc un accès militaire français. Puis on va aller se poser à Bordeaux instantanément. En plus c'est bien, j'ai plein de revendications en Angleterre. Donc et... moi je vais m'occuper de gérer tout ce qui se trouve sur mon île, mais par contre toi t'es que 19 000, hein. C'est un peu juste. Hein. Ouais, je suis en train mais de... Y a pas de fort, ils vont tomber vite les sièges là. Je suis en train de recruter, je vais être à 21 000. Ouais, et je serais très étonné que l'Angleterre ait tout sur la même case en fait. Ouais, je pense que c'est assez rare. Hein. Oubliez pas de rentrer vos bateaux les mecs, parce qu'il y a quand même... Ouais, moi c'est fait, ils sont rentrés. Je vais même les désarmer, comme ça c'est encore plus propre. Ça va être la violence. Ça va être très violent. Hop là. J'ai un bon général, c'est déjà pas mal. La Loire, ça vaut le coup comme état, non, c'est de la merde. Hein. Bah écoutez, c'est quand vous voulez, hein, avant que la France relance une guerre contre je ne sais qui. Bon bah, okay. C'est parti. Bah c'est parti, mais moi je vous propose de faire un cliffhanger et d'arrêter l'épisode. Oh là, c'est trop dégueulasse. Oui, c'est vrai tellement dégueulasse. Un peu dégueulasse, je trouve. Moi, ça c'est pas mal, non? Ouais, mais c'est quoi? C'est la première fois que je suis du côté du mec qui va jouer, donc du coup, je m'en fous en fait. Mais c'est dégueulasse. C'est comme ça qu'on se fait des amis, c'est la bonne technique.
Ouais, ouais, c'est comme ça qu'on fait des vues aussi, c'est cool. Ouais, c'est bien. Et bah du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. On commence enfin à grandir un peu en Bretagne, ça fait plaisir. Hein. Parce que je vais quand même pas te laisser l'Irlande passer devant moi, quoi. C'est pas possible. Bah oui. Bah, en tout cas... Et comme ça, dès le début du prochain épisode, vous avez eu la grande guerre que vous attendiez depuis déjà deux épisodes. Donc ne le manquez surtout pas. Et surtout, ne manquez pas la fin de la série lors du prochain épisode. Ouais. Il y aura des paillettes, des feux d'artifice. Venez nombreux. J'espère que ça vous a plu, on vous remercie tous et bah, très bonne fin de soirée. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Tiberians sur sa chaîne, et le lien est dans la description. Bah oui, venez. Et puis bah très bientôt. Et bye bye. A plus.